Aujourd'hui, Inch'Allah, notre frère suisse converti à l'islam, il va nous parler d'un autre miracle scientifique du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant la graine noire, Najilla sativa, une solution pour toute maladie. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, le cumin noir, graine de Nigel, remède contre toutes les maladies. Le messager d'Allah, prière et salut sur lui, dit « Prenez soin de cette graine de Nigel, car elle contient un remède contre toute maladie, abstraction faite de la mort. » La vérité scientifique. Depuis 2000 ans, jadis, le cumin noir est utilisé en Orient comme un remède naturel. Adaka Kani et ses collègues ont même réussi à extraire le nigellon de l'huile du cumin noir en 1959. Les grains du cumin noir contiennent 40% d'oléagineux gras, 1,4% d'oléagineux volatile, 15% d'aminoacides, de protéines, de calcium, de fer, de sodium et de potassium. Mais les plus importants de ces composants sont le thymoquinone, le dithymoquinone, le thymohydroquinone et le thymol. Il faut noter que le rôle du cumin noir dans le renforcement naturel de l'immunité n'a paru au grand jour qu'après les expériences du docteur Al-Qadi et ses collègues aux États-Unis d'Amérique. Puis l'on fit des études pluridisciplinaires sur cette plante. Al-Qadi réussit à établir que le cumin noir fortifie le système immunitaire, vu que les cellules lymphatiques interstitielles ont connu une croissance de 72% en moyenne, ainsi que les cellules lymphatiques vasculaires. De même, la performance des cellules tueuses naturelles s'améliora de 74% en moyenne. D'autres études moyennes ont corrobé les conclusions du Dr El-Qadi, telles que l'étude publiée par la revue de l'immunologie dans le numéro d'août 1995 concernant l'effet du cumin noir sur les cellules lymphatiques humaines et sur l'amélioration de l'action des macrophages pour les leucocytes polynucléaires. Dans son numéro de septembre 2000, la revue de l'immunologie publia une étude sur l'effet préventif de l'huile de cumin noir contre les risques de cytomégalovirus des rats. L'huile du cumin noir fut expérimentée comme antivirus, après quoi l'on évalua l'immunité acquise juste après que le virus y était contracté, et ce en analysant les cellules tueuses naturelles, les macrophages et le mécanisme de phagocytose. Par ailleurs, dans son numéro d'octobre 1999, la revue européenne de cancer publia un article traitant de l'effet du thymoquinone sur le cancer de l'estomac chez les rats. Dans son numéro de mai 1998, la revue de recherche sur les anticancers publia aussi un article sur les dérivés du cumin noir utilisés contre les tumeurs cancéreuses. D'autre part, la revue Ethnomédicale publia dans son numéro d'avril 2000 un article sur les vertus immunitaires de l'éthanol tiré du cumin noir.
Enfin, il faut noter l'article paru dans le numéro de février 1995 de la Revue des plantes médicinales traitant de l'effet de l'huile grasse du cumin noir et du thymoquinone sur les globules blancs et tant d'autres revues qui abordent le même sujet. Aspect miraculeux. Le prophète, prière et bénédiction sur lui, affirma qu'il y a un remède dans le cumin noir contre toute maladie. Il est utile de noter que le mot « remède » fut toujours utilisé à ce propos dans la forme affirmative et sans article défini. Ce qui revient à dire, conformément à la grammaire arabe, que le remède est ici indéfini et ne saurait être généralisé. Ce faisant, l'on est en droit de dire que le cumin noir contient une quantité de remèdes contre toute maladie. Il a été établi que le système immunitaire est le seul système qui est à même d'enrayer toute maladie, grâce à sa capacité d'immunité naturelle et acquise qui lui permet de produire des anticorps adéquats contre les organismes susceptibles de causer une maladie, en plus de sa capacité à produire les cellules tueuses spécifiques. Par ailleurs, des études expérimentales ont prouvé que le cumin noir accroît la performance de l'immunité naturelle. L'on se rendit à cette évidence, comme l'affirme El Qadi, en constatant l'accroissement du taux de cellules lymphatiques interstitielles, des cellules lymphatiques vasculaires et des cellules tueuses naturelles de l'ordre de 75%. Il faut noter en passant que ces cellules sont toutes des cellules fort bien minutieuses et spécifiques. Cette affirmation d'El Qadi fut corroborée par d'innombrables revues spécialisées suite à la constatation de l'amélioration des cellules lymphatiques interstitielles des cellules lymphatiques vasculaires et des macrophages, sans oublier l'accroissement d'interférons et d'interleukines 1 et 2 et l'amélioration de l'immunité cellulaire que l'on constata. Cette amélioration eut un effet sur le système immunitaire, en ce sens que l'extrait du cumin noir eut un effet dévastateur sur les cellules cancéreuses et certains virus, tout comme cet extrait se montra efficace contre les effets des larves de bilharziose. Cela étant, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que le cumin noir est un remède contre toutes les maladies, car il répare et fortifie le système immunitaire qui a la charge de soigner toutes les maladies, de faire face à toutes les causes de maladies et de procurer le remède adéquat entièrement ou en partie. Ainsi, la vérité scientifique fut-elle mise en exergue dans ces nobles hadiths, vérité que nul n'aurait pu percevoir 14 siècles jadis, à moins qu'il ne soit prophète et messager d'Allah. Certes, les paroles « si après d'Allah exalté soit-il » sont l'expression même de la vérité. La ilaha illallah.